Delphine est une fan de dragons et tous les soirs, elle en rêve. Mais ce soir-là, c'est une nuit particulière car demain, elle rentre en 6e au Collège des Champs. Delphine est réveillée en sursaut par les flammes du dragon. Et il faut se dépêcher, c'est la rentrée. Dans la voiture, sur la route du collège, elle imagine sa journée et espère se faire de nouveaux amis. Avant qu'elle sorte de la voiture, elle sort son carnet de correspondance pour le présenter au surveillant qui le vérifie à l'entrée du collège. Après avoir regagné les autres élèves dans la cour, c'est la sonnerie qui retentit. Les élèves suivent leur prof, impatients de découvrir leur nouvelle classe. Ils s'assoient calmement, ou presque, et leur prof peut enfin commencer l'appel. Après la sonnerie de midi, les élèves se précipitent pour aller manger. Les élèves passent au casier, ils partagent leur casier avec deux camarades. Les élèves passent leur carte de self, prennent un plateau et se servent. Elle s'assoit après avoir pris son plateau et savoure son déjeuner. Elle en profite pour raconter des blagues avec ses copines. Après avoir mangé, Delphine n'oublie pas de trier les restes de son plateau. Elle peut récupérer son cartable dans son casier à 13h pour reprendre les cours. Elle a le choix entre plusieurs clubs ou ateliers, UNSS, Café Cyber, cours de récréation. Elle choisit de rejoindre le club du Café Cyber, où elle apprend à utiliser des tas de logiciels, des imprimantes 3D et même des drones. Elle aime aller au CDI avec Madame Fleur-Thébeau parce qu'il y a des ordinateurs, des livres et elle peut y faire ses devoirs. En général, elle finit les cours à 16h10 et elle peut rentrer chez elle. Mais il arrive qu'elle rattrape à cours et qu'elle finisse à 17h ou encore à 18h. Bonne rentrée à tous les 6e!